Cinéma Différent, c'est une initiative qui a été portée à la base par une association sur Paris qui se propose en fait de rendre le cinéma accessible à tous et en particulier aux personnes qui sont en situation de handicap mental ou qui présentent des troubles du comportement. Et puis il y a eu petit à petit des demandes pour monter des séances comme celle-ci un peu partout en France, dans différentes grandes villes. Et donc petit à petit, des partenaires locaux se sont proposés pour développer le réseau Cinéma Différence. Ça fait partie de nos objectifs, des principes d'orientation de l'association, d'être solidaire sur des actions sociales, d'associer le culturel et le social et de permettre à tout public d'accéder au cinéma. C'est vraiment une démarche qui nous semble très importante à la ville parce que l'idée c'est que vraiment tous les publics puissent fréquenter les structures culturelles facilement. Donc les choses ne sont pas forcément évidentes pour des personnes qui présentent un trouble du comportement parce que il faut en fait sensibiliser le reste du public. Et ça ne se fait pas tout seul, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut en passer par des séances estampillées Cinéma Différence ou des séances particulières pour que le pas soit franchi et que finalement après elle puisse revenir dans des séances tout public. Il s'agit aussi de changer le regard de la société, ça ne se fait pas tout seul. Donc je pense que le bénéfice finalement de ces séances est autant pour les personnes en situation de handicap finalement que pour tout un chacun. Cultures.